Coucou, va jusqu'au bout de la vidéo. Petite parenthèse que je te fais. Parce que j'utilise l'oracle des flammes jumelles à la fin en complément du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Et franchement, j'ai été scotchée par les trois dernières cartes qui vont te parler de ta situation actuelle, de ce que tu vis, de ce qui bloque et des actions à mettre en place pour lever les blocages. J'ai été vraiment scotchée par ce jeu-là tout à la fin de la guidance. Et au passage, la guidance est vraiment superbe. Je suis très contente d'avoir eu ça. Je te partage aussi mon expérience. Alors sois bien à l'écoute et avant tout, je te remercie pour ton écoute. Bonjour, sacré féminin, sacré masculin, voici une guidance pour les flammes jumelles. Tu peux me retrouver tous les jours sur de courtes guidances de 15 minutes sur Instagram si tu as un compte Instagram. Je te rappelle qu'il y a aussi le compte, le podcast Sacré Féminin qui est plus orienté spiritualité, féminin sacré, développement de soi et réalisation de soi hein, sur SoundCloud. Allez, on y va. J'espère que tu vas bien. Hop, eh ben, j'allais dire, c'est parti. On va garder que la première carte parce que j'ai un paquet entier. Je vais quand même te raconter vite fait l'histoire de ce que j'ai là. Il est question de réalisation ici. Il y a un désir de réalisation avec l'apparition de la pierre philosophale. Hop là, et c'est la carte centrale que je garderai. Ici, eh ben, j'en ai quatre. Ben, écoute, on va garder les quatre. Je voulais pas, mais finalement, je vois pas pourquoi. Ici, il est question avec le 3 de trèfle, justement, de vigilance, mais aussi de tous les espoirs ici qui sont permis, également de confiance, de réalisation des projets. Il y a quelque chose de très fort ici. Ici, alors j'avais battu mon jeu avant, hein, bien mélangé, battu avant. Ici, j'ai une carte qui ressort, c'est assez intéressant parce qu'elle est sortie en conclusion sur la guidance d'aujourd'hui, sur les énergies du moment sur Instagram. Et il est vraiment question là de toujours de réalisation, d'espérance. Par contre, on voit qu'il y a des inquiétudes, certainement aussi au-delà, par rapport à l'aboutissement certainement d'un projet. Et là, on voit qu'il sera question. Là, je retrouve. C'est fou parce que les cartes, je les ai mises vraiment séparément, à part dans le paquet. Et elles ressortent comme ça, là, d'un coup. Elles m'impressionneront toujours, ces cartes, en fait. Voilà, parce que ces deux-là ne sont pas sorties dans la guidance d'aujourd'hui sur Instagram, par exemple. Pas du tout. Et là, en fait, j'ai eu ces deux-là qui sont sortis alors que j'avais bien pris soin de bien mélanger mon jeu. Donc, c'est toujours intéressant. Ici, on te dira de faire confiance en tes possibilités, en tes dons, en tes talents. Il y a une notion de sagesse aussi et de se faire confiance avec toute l'expérience et l'expertise que tu as eue au fil du temps. Donc, on va voir ça, hop, en grand. Tu vois, je m'attendais pas à une guidance comme ça. Mais bon, ces cartes sont sorties d'un coup. Alors prenons-les, c'est parti. On commence avec la carte, hop, je vais zoomer du milieu en haut. Le 6 de cœur qui nous parle de cette apparition de pierre philosophale, de la pierre philosophale. Tu peux bien voir ici tu as l'œuvre rouge. L'œuvre rouge, eh bien, c'est la fin d'une étape de l'étape alchimique. C'est la connaissance, c'est le fait d'aller plus loin dans la connaissance. Il y a différentes étapes ici qui ont été passées. On parle très clairement d'un changement. Tu as peut-être l'impression d'une période de latence aussi. Mais on te dit qu'en fait, les choses avancent, peut-être lentement, mais sûrement. Et ce n'est pas forcément visible. C'était comme l'alchimiste, en fait, qui est ici, qui a un genou à terre, là, et il regarde. Il ne sait pas quel sera le résultat, mais il a confiance, il garde confiance, hein, vraiment. Ici, en plus, c'est au début de l'étape alchimique, hein, complètement à gauche, là, avec l'œuvre noire ici. En fait, c'est tu vois, cette étape-là. Elle arrive à la fin de la première étape alchimique qu'on appelle l'œuvre noire. Ici, c'est au moment en fait où eh bien, il y a une calcination, il y a la matière qui va devenir pierre en fait. Et la pierre, elle est là après, hein, quand le plomb se transforme en or. Donc là, il y a un changement, il y a quelque chose de nouveau, il peut y avoir une relation nouvelle. Hein, donc on parle des flammes jumelles.
Ici, très clairement, il y a une belle avancée pour les flammes jumelles. On doit avoir des retours, hein, des retours de ton autre ici. Au centre, là, c'est en train de se faire. C'est-à-dire que c'est pour les personnes où peut-être qu'il y a eu à nouveau une communication. Peut-être aussi que tu as eu des nouvelles de ton autre. Mais il y a quelque chose de... Les différentes étapes là, elles ont avancé. Hein? Alors c'est intéressant parce que l'œuvre noire est là. Là, on a la fin de l'œuvre noire. Donc on nous montre ce qui s'est passé en fait pour en arriver ici au centre. Alors là, il est vraiment question d'une réalisation. Le sujet central, il nous en parle. C'est lui qui va donner le tempo. Ici, je t'ai parlé des alchimistes, mais on va essentiellement regarder les petits sujets. Et très clairement, on nous parle de changement, d'une nouvelle position. Bien sûr qu'il peut y avoir une nouvelle relation aussi. C'est-à-dire que il peut complètement se passer parce que finalement, l'un ou l'autre peuvent faire le choix d'aller dans une nouvelle relation. Et justement, peut-être que cette réalisation, elle se fait là, elle se fait par cette nouvelle relation, c'est possible. Maintenant, ce que je vois, c'est que les flammes jumelles, il y a quelque chose qui a vraiment avancé, peut-être dans le collectif aussi. On a eu cette fusion des principes masculins et féminins, il y a un équilibre qui s'est fait entre les deux polarités. Hein, aussi, on peut vraiment parler de ça. En tout cas, il y a quelque chose d'inattendu là qui est en train d'arriver ou qui va arriver, et on te dit qu'à la peine succédera la joie avec la carte de gauche ici, le 3 de trèfle. Hein. Ça, c'est important. Bien sûr, il y a toujours une vigilance, une attention, mais on n'oublie pas que ce qui est amené à venir avec ce sujet principal, c'est ensuite de relâcher cette vigilance et cette attention parce que, eh bien, la satisfaction est arrivée, justement la pierre est devenue or, le plomb s'est transformé en or, et bien, et là il est satisfait maintenant, hein, voilà, notre alchimiste au centre, il est vraiment satisfait. Donc c'est vraiment, il y a cette notion de transmutation là avec l'œuvre, pas l'œuvre noire, hein, c'est, pardon, c'est l'œuvre rouge. Il y a une notion de transmutation justement du métal en or. Il y a une notion aussi d'immortalité dans cette réalisation-là. Donc les flammes, effectivement, ben, il y a un amour immortel. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'ici on parle d'un amour original avec le langage floral, hein, d'un amour original, mais aussi d'un amour qui réussit également. Donc ici, on parle très clairement de réalisation, d'épanouissement, de bonheur, mais de quelque chose qui va durer, même s'il y a des différences entre les deux personnes. Et s'il n'y a pas, je veux dire, s'il n'y a pas une relation qui peut être plus original avec des contrastes que les flammes jumelles, eh bien, moi, si tu en connais d'autres, eh bien, dis-le-moi. Parce que tu vois, quand on te parle du yin et du yang dans cette relation de flammes jumelles, le blanc, le noir, c'est exactement ça. En fait, les deux sont vraiment, vraiment opposés, mais justement parce qu'ils sont opposés, ils sont, mais complètement complémentaires. Alors, j'aime pas trop cette notion quand on dit qu'ils se complètent. Oui, ils se complètent, mais il faut savoir qu'ils sont déjà complets et l'un et l'autre. Quand on parle de complétude, hein, d'abord être en complétude avec soi. Et bien là, c'est ce qui est en train de se passer en fait. Et quand je vois qu'on parle d'amour vraiment original, quelque chose d'original, avec vraiment des différences, des contrastes dans cet amour-là, eh bien oui, il est vraiment question de cette relation de flamme jumelle, parce que c'est vraiment le cas. C'est très challengeant aussi, parfois, de se sentir autant opposé et de ressentir autant d'amour comme ça pour l'autre. C'est un amour qui est profond, qui est intérieur. C'est pas cet amour amoureux, c'est pas cet état amoureux, c'est un amour qui est intense. Et c'est très souffrant de sentir justement de se sentir autant opposé et à la fois, mais tellement complémentaire. Tellement complémentaire. Je le vis au quotidien, sous le même toit, avec mon autre, et c'est un vrai challenge. Et c'est fort. Et quand je parle d'amour original, c'est vraiment exactement ça, quoi.
Mais ici, il y a quelque chose qui avance en fait. Hein. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a cette notion de transformation de la relation. On parlait de transmutation avec l'œuvre rouge. Et c'est exactement ça. Il y a vraiment cette notion-là, cette notion de transmutation ici. Alors là, ça va plaire vraiment. Tu vois, on va aller, j'ai pas fini, hein. Ça va plaire ici au sacré féminin parce que ici, tu sais, sacré féminin, on dit au sacré masculin, tu vois la femme là que tu as dans le cœur, eh bien, c'est elle. Et là, le sacré masculin, il commence un petit peu, ben, un peu beaucoup même, hein, à s'en rendre compte et avoir des espérances sur la question. Avoir l'espérance aussi de réalisation hein, de ses souhaits ici, très clairement, parce que la constellation, elle nous parle hein, de ça, de cette réalisation des espérances ici, et avec le fait aussi qu'il y en a un ou les deux ont envie d'aller l'un vers l'autre, on parle de déplacement aussi ici, pour retrouver quelqu'un qu'on aime. Hein. L'ensemble floral va nous parler aussi d'une union, d'une association, d'un engagement, voire d'une demande en mariage. En tout cas, quelque chose de sérieux. Il y a une belle évolution. Et donc, je reviens à mes moutons. On dit au masculin, mais c'est pas au masculin, pardon. Je sais pas comment le dire en fait. Sacré féminin, en fait, il est question que tu sois le choix de ton autre. Voilà. Tu es le choix de ton sacré masculin. C'est-à-dire qu'il a fait son choix. Alors peut-être qu'ici, ça nous parle, alors ça ne ressort pas du tout dans le jeu, mais peut-être que si on nous parle de choix et que tu, sacré féminin, est l'objet du choix de son autre, donc si tu es dans cette relation très particulière, que tu te reconnais dedans, intense, qui a fait du chemin, d'accord? Ça s'est pas fait du jour au lendemain, là. On a trois alchimistes, hein. Donc on nous parle des différentes étapes hein, qui ont été parcourues, on nous parle des premières étapes, des deux premières et de la toute dernière, voilà. Peut-être que si on nous la montre aussi, c'est pour te dire, allez, continue sur le chemin à partir du moment où tu as bien vu dans quoi tu étais, attention. Tu ne sois pas dans une relation toxique, que tu te sois renseigné sur ce que c'était ces flammes jumelles, sans forcément vouloir à tout prix que cela soit ça, parce que ça peut être dangereux et on peut complètement mais se planter. Voilà ce qui a déjà été mon cas au moment de la création de cette chaîne. Mais tout est juste et ce qui m'a complètement amenée du coup vers autre chose et à me rendre compte de ce qu'était vraiment certainement, je pense, en toute humilité, je ne saurais peut-être jamais complètement, mais ce parcours de flammes jumelles. Et honnêtement, je m'étais leurrée sur la question en sachant que ce n'était pas un amour amoureux. Ben non, quand même, il faut avancer. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais il est question vraiment d'avancer sur son chemin, de laisser le temps au temps. C'est super important de laisser le temps au temps. C'est le temps qui marque les différentes étapes. C'est le temps qui montre dans quoi tu es. Et c'est surtout, ça se base surtout quand tu lâches l'affaire. Voilà. Ce n'est que mon avis, que mon opinion. Ça n'engage que moi. Ce n'est que mon expérience. Et chaque expérience est différente. Donc attention à ce que je dis. Fais ta propre expérience. En tout cas, c'est quand j'ai lâché le bébé. Que tout est arrivé et que je n'ai absolument pas voulu. Et donc, pour me rendre compte que je me fourvoyais et que très clairement, les choses étaient bien différentes de ce que j'aurais pu penser. Mais ça faisait partie du processus aussi et ça m'a préparée à vivre cette histoire et relation intense avec un amour qui... Bah, qui n'est pas comme les autres en fait. Et ça, tu t'en rends compte. Mais des fois, il y a quelque chose d'intense et de fort parce qu'on reconnaît une âme avec laquelle on a certainement déjà évolué par le passé dans des vies antérieures. Et les connexions peuvent être aussi fortes que les flammes jumelles et on peut se planter. On retrouve ça dans les relations karmiques aussi également. Voilà. Donc, attention. Mais ici, très clairement, tu es, sacré féminin, l'objet du choix de ton autre. Si tu te reconnais dans cette
histoire, cette relation, dans ce cheminement qui est un vrai chemin de vie, qui est le chemin d'âme, de toutes ces étapes et où tu t'es réalisé toi-même. Et c'est là que je vais en venir, c'est que tu te réalises sur tous les plans de vie. D'accord? Donc tu te réalises personnellement, mais tu te réalises professionnellement. Et c'est quand tu en es là que les choses se passent. Tant que tu restes focalisé sur ton autre, les choses, elles ne se passent pas. Et pourquoi je te dis ça? Parce que là, c'est très clairement ça, c'est une réalisation de tout. Aussi, de ce que tu as souhaité par le passé dans ta vie réalisée, on y est, on te montre que ça va arriver. Alors, moi, j'ai vraiment cette sensation que les choses sont en train de se faire, que c'est certainement pas visible, mais qu'on te dit qu'il y a vraiment beaucoup, je ne sais pas pourquoi. Alors, j'ai une énorme notion de temps, du temps qui passe, et je n'ai pas la carte du temps pourtant dans le jeu. Et je pense que ça doit être avec les différentes étapes alchimiques que j'ai ici. Ouais. Mais très clairement, il y a cette notion de temps. Ah oui, aussi du chemin. Voilà, c'est le chemin parcouru avec notre grand singe. On parle de sagesse, d'intelligence ici. Et donc, justement, il a fallu du temps pour en arriver là. Donc, c'est tout un chemin de vie, chemin d'âme. Ça ne nous parle pas que de cette vie-là, ça nous parle des vies antérieures aussi. J'ai vraiment cette longueur du chemin parcouru. Et en fait, il marche, il a un bâton de pèlerin, donc peut-être qu'il est fatigué. Ah, pardon. Peut-être qu'il est fatigué, mais il marche pas à pas, pas à pas. Et il analyse bien les choses là avec son plan, très clairement. C'est petit à petit, ça nous parle de projets aussi. Ces projets sont là depuis longtemps, donc l'âme avait décidé, bien évidemment. Mais toi aussi, dans les projets que tu as pour toi-même personnellement, sont des projets que tu as depuis longtemps et qui vont être favorisés. Voilà, si tu oses mettre les choses en action ici, tout comme l'alchimiste s'est mis en action. Il s'est mis en action avec beaucoup d'espoir, il ne voit pas les choses. Il l'a pas vu, hein. Il sait pas quel sera le résultat. Il a simplement l'espoir. Tu vois, à chaque fois, il est super attentif et à la fin, boum, il se repose. Il a simplement l'espoir que justement la matière se transforme en or, que la pierre philosophale apparaisse. Et quand il arrive là, eh bien, il y a cette connaissance. Il a été plus loin en fait. Avec l'apparition de la pierre philosophale, il a été plus loin dans la connaissance. C'est tout le chemin parcouru, toutes ces étapes alchimiques de transmutation avec l'espoir, les espérances qu'il a gardées, tout le chemin parcouru où il a eu confiance en lui, en ses dons, en ses talents. Et on voit qu'on a fortuna major ici, on a quelque chose de puissant, hein, il y a puissance et volonté ici. Eh bien, avec cette puissance, avec cette volonté, il y a cru. Et c'est grâce à tout ce chemin parcouru qu'il arrive ici. Et là, on a la femme, on a le sacré féminin au milieu avec Puella. Et on te parle de joie, de bonheur, de réalisation, d'amour avec Laetitia aussi, pareil. Trois belles figures géomantiques avec Fortuna Major, qui nous parlent également de quelque chose. C'est fou qu'elles soient passées, qu'elles se soient en fait mises ensemble, ces quatre cartes-là. Alors ça peut paraître complètement utopique, hein, parce que même moi je me dis, punaise, ouais, c'est utopique. Mais pourquoi pas? J'ai demandé une guidance pour les flammes jumelles. Ici, il y a quelque chose de fort. Approprie-toi la guidance et écoute ton intuition, ressens, et ça te parle de quelque chose au-delà de mes mots. Eh bien, note ça. Note-le. Tu vois, ici, on a la lettre A. Il est question d'union, là. D'accord? Le féminin à gauche, le masculin à droite se rejoignent en haut. Il est question d'union. Hein, donc de grande joie. Laetitia, c'est la grande joie. C'est vraiment une grande joie. Il y a une satisfaction. Il y a, voilà. Bon, je peux pas te le dire mieux. Il y a quelque chose d'important. Il faut savoir que c'était une énorme transformation parce que tu vois l'alchimiste là, ce qu'il introduit dans la lampe philosophique, c'est la matière qui est brute de pomme. Mais vraiment brute de pomme, tu vois, brute de chez brute. Donc il a fallu du temps pour transformer ça, cette matière-là. Petit à petit, il y a été. Au fur et à mesure. Là, il y a eu de la calcination, de la putréfaction, t'imagines, enfin, le temps qu'il a fallu pour qu'il y arrive là. Par contre, il a eu tous les espoirs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bah, continue ton chemin, toi, hein, d'abord, toi qui regardes, là, sur ce que tu souhaites réaliser dans ta vie, parce que ça ne passe que par là. La réalisation, cette union dont on parlait, des flammes jumelles, elle ne passe que parce que toi, tu t'es concentré sur toi, tu as aussi été voir ce qui avait besoin peut-être d'être,
On dit guéri en soi, moi je dis accueillir. Effectivement, c'est une la guérison se fait peut-être par l'accueil, hein, c'est comme ça que je le ressens. Mais quand tu accueilles les choses d'un coup, t'as la guérison. La guérison, elle est là. Il faut du temps, il faut de la patience, parce qu'on parle beaucoup de patience ici, avec notre singe aussi, hein, d'accord? Mais il y a cette notion de reconnaître ses dons, ses talents, d'aller les utiliser et de les prendre. Alors c'est ici que j'en viens, peut-être sur le travail qu'il y a à parcourir, pardon, à parcourir. Et je voudrais qu'on revienne sur le 6 de cœur, donc au centre, sur la carte du centre justement. Il y a vraiment cette notion d'inspiration avec la lettre I, d'accord? Donc laisse-toi inspirer et écoute ton intuition. Et Puella, c'est l'intuition, c'est le charme et c'est l'intuition aussi. Donc ici, il y a quelque chose de fort. D'abord, entre les deux, dans ce duo de flamme jumelle, évidemment que les sentiments sont forts, mais il y a beaucoup de confiance aussi. Ça, je veux dire, si tu as un doute là-dessus et tu as un doute sur la confiance entre l'un et l'autre, parce que ça se ressent au-delà des difficultés, au-delà de la friction des égos, c'est quelque chose que tu sens que tu peux avoir confiance, mine de rien. Même si tu as l'impression que c'est pas possible, faut aller vraiment au fond de soi. C'est pas avec sa tête, faut descendre dans ton corps, faut aller habiter ton corps, viens dans ton cœur. Ici, on parle vraiment de confiance, de sérieux dans la relation. Il y a quelque chose qui s'est transformé et on te dit peut-être que peut-être qu'on est en train de te dire là maintenant tu peux avoir confiance, hein, avec cette apparition de la pierre philosophale, c'est ça. Et il y a quelque chose qui s'améliore malgré les difficultés. Il y a vraiment on te dit que tous les efforts qui ont été fournis, toute l'énergie qui a été fournie, eh bien c'est voilà, avec le fait que tu as gardé cette confiance en toi et que tu voilà, si tu gardes cette confiance en toi, en fait, justement, eh bien, tu as la réussite au bout, tu as la réalisation, l'épanouissement au bout. Donc ça, prends-le dans ta vie personnelle et dans ta relation à ton autre. Ici, il y a une notion, je te disais que le chemin, il est lent, mais il avance doucement, mais sûrement. Mais par contre, c'est vraiment une construction pour l'avenir qui est en train de se mettre en place et avec des bases solides. Et pour créer des fondations solides, il faut du temps. C'est ça qu'est en train de te dire cette carte au centre du 6 de cœur. On parle de projets d'avenir ici. Il y a des projets d'avenir avec le... non, c'est ici, pardon, les projets d'avenir. Je t'allais te parler du lys, de la rose de France et du lierre, et j'étais sur la constellation. Donc les projets d'avenir, c'est avec le langage floral. Voilà, c'est ça. Et on est en bélier. On parle beaucoup du bélier, de la constellation du bélier ces derniers temps, avec la réalisation de ce que tu souhaites, des espérances avec cette constellation du bélier ici. Donc il y a peut-être quelque chose entre maintenant et moi, je sais pas, j'ai le mois de mai quand même qui est en train de se mettre en place et on te dit de garder confiance ici. Si tu avais un doute, mais oui, c'est toi qui l'as choisi. Oui, tu vois? Hein? Ou alors, si tu es un sacré masculin, ben... Bon, là, c'est plus pour un homme, hein, quand même. On dit plus que, voilà, l'homme, vraiment, voilà, a choisi sa femme. Voilà. Et en l'occurrence, eh ben, cette femme est vraiment son choix. Et pour moi, il s'agit de toi. J'ai une notion ici, ce que je ressens beaucoup, c'est qu'il y a question de réconforter le sacré féminin. Il y a vraiment cette notion-là. C'est ce que je ressens très fort, c'est... Mais j'irais plus dans cette notion d'avoir confiance en toi, dans les projets que tu souhaites mettre en place. Avec ce grand singe, on parle de reconnaître ses dons et ses talents. C'est vraiment dans ça, en fait, hein. Vraiment. Dans tous les cas, il y a une belle amélioration de la relation. Bon, ben, je pense qu'on l'a compris, quoi. Je ne vais pas me répéter, hein. Bon, après, pour le plaisir, si tu veux, je peux aller un petit peu plus loin. Je te parlais tout à l'heure d'une amélioration, hein, là, à l'instant. Et c'est le petit sujet, en fait, qui me le dit ici. Tu vois? Il y a toujours cette notion d'inspiration avec la lettre V aussi. Et de construction. On n'oublie pas, on a la construction aussi. Donc ici, avec le petit sujet de droite dans notre 3 de trèfle, hein, dont je t'ai déjà parlé, ici, en sujet principal, on est à la fin de l'œuvre au noir. Eh bien, ici, il est question... on est...
En prenant avis autour de soi, mais avec de personnes de confiance, hein, il est question peut-être d'apprendre de nouvelles choses, d'avoir de nouvelles informations qui vont rassurer. Et elles te rassurent, du coup, tu es satisfaite ou satisfait. Et à ce moment-là, d'un coup, je sais pas, moi j'ai une notion de déclic, tu vois, d'un coup, il y a une transformation, un changement en un claquement de doigts. Pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que, écoute, j'ai ma première phase alchimique là, la fin de la première phase, et là, bam, tout de suite, paf, déclic, changement, réalisation. Et elles sont où les autres phases alchimiques? Tu vois? Et j'ai vraiment cette notion-là. Et en fait, c'est ce petit sujet-là qui me le dit pour les flammes jumelles. Mais en fait, il y a quelque chose qui arrive, une information qui rassure. Donc, il y a une notion de se détendre, de relâcher la pression. Et c'est pour ça qu'on l'a au centre, en fait, notre alchimiste, là, au centre, parce que la carte du centre représente le consultant ou la consultante, hein, ben, toi qui regardes, par exemple. Et donc, on voit que tu es détendu, relâché, soulagé. Voilà. Et si c'est pas arrivé, c'est quelque chose qui va arriver, parce qu'on n'oublie pas que j'ai quand même mes figures géomantiques là. Elles nous parlent de temps aussi. Et donc, on a ce temps qui passe là. Et Laetitia nous parle déjà, qui est ici, va nous parler du mois de mai. Elle nous parle de 6 mois, d'une évolution de 6 mois à 1 an. Mais pour moi, les 1 an, ils ont déjà commencé. Mais là, 6 mois, technique, janvier, février, mars, avril, mai, enfin 6 mois, décembre. En décembre, ça fait 6 mois. Oui, on est en décembre. Donc, 6 mois, ça t'emmène au mois de mai. Exactement, bah tu vois, 6 mois, mois de mai. Parfait. Et puis on a Laetitia. Laetitia, eh ben c'est pas non pas Laetitia, pardon. On a Puella. Alors Puella nous parle d'une évolution sur 15 jours ou 1 mois. D'accord? Quelque chose qui a débuté déjà au mois de septembre. Et on nous parle d'harmonie, de joie, de vivre, d'amour. Tu vois? Et je voudrais qu'on aille voir Fortuna Major. Fortuna Major, là c'est pile poil au mois de janvier. Donc il y a quelque chose qui, au mois de janvier, hop, va surgir là, avec Fortuna Major. Je ne sais pas si tu vois Fortuna Major. Tu vois Fortuna Major ici en haut. Et Fortuna Major, eh bien, c'est l'amour. C'est l'abondance. C'est la réussite, le bonheur. Et c'est le mois de janvier. Et on a une durée de 1 année. Donc pour moi, comme cette carte, elle est en conclusion, eh bien, on te dit peut-être que tu vas construire tout ça sur une période d'1 an. Hein, voilà, il y a quelque chose déjà qui se transforme entre maintenant et le mois de mai. Voilà, on avait bah, Bélier. Le Bélier, c'est, j'en parlais dans la constellation du 6 de cœur tout à l'heure ici. Là, qui parlait de la réalisation des souhaits, des vœux, d'accord? Eh bien, mais n'empêche qu'en conclusion, on a le chemin. Il part avec son bâton de pèlerin, là, il y va. Et ça, c'est la conclusion du tirage. Eh bien, il y a quelque chose d'intéressant entre maintenant et le mois de mai, dans cette transformation, dans cette réalisation, et avec peut-être quelque chose qui ira plus loin sur une durée d'1 an, hein, vu qu'on a Laetitia. Voilà. Notre 3 de cœur, il nous parle de réussite et comment on dit ça, de bonne réputation. Je t'ai dit que le grand singe nous parle de sagesse et d'intelligence. Mais il y a une notion voilà, ce chemin parcouru, c'est le chemin vers la liberté, l'indépendance, hein, ici, avec la constellation de Pégase. C'est ça qui est très intéressant. Et parce que en conclusion, on regarde la constellation ici. Donc c'est vraiment chouette. Il y a une notion de prendre sa responsabilité avec la lettre F aussi que tu peux retrouver là aussi quelque part. Évidemment, les choses ne se font pas sans peut-être voir que tu es responsable. On dit souvent on est responsable de ce que l'on crée. Et on se dit, mais non, moi j'ai pas demandé ça. En fait, tu crées les choses avec tes ressentis. Hein, c'est comment tu te sens. Si tu restes tout le temps dans quelque chose de morose, en fait, c'est ce que tu vibres et c'est ce que tu amènes à toi. Et en fait, quand on dit, mais tu crées ta réalité, mais les 3/4 du temps, d'abord, on crée notre réalité avec notre inconscient. Hein, quelqu'un qui n'a pas été voir un petit peu beaucoup, même ce qu'il a au fond de lui, là où il est blessé, ses ombres, il ne se connaît pas. Pourquoi je te parle de ça? Parce que là, voilà, il s'agit du chemin que parcourent les flammes jumelles.
justement, et à arriver justement à faire la lumière sur les ombres. D'ailleurs, l'autre en miroir, mais te montre toutes tes ombres. Et face à l'autre, tu peux justement te retrouver à être un vrai démon. Ça se fait souvent, ça, on retrouve souvent ça chez ce qu'on appelle le runner. J'aime pas trop parler de runner chaser, mais c'est vrai, c'est-à-dire souvent celui qui fuit, quoi. Des fois, il peut y avoir une fuite inconsciente. Voilà. Eh bien, écoute, je voudrais une petite carte pour toi. Je pense que tout est dit. Une petite carte pour toi avec l'oracle des flammes jumelles. Alors, on va faire trois cartes. Allez, je vais dépasser un peu, je voulais faire court. La première carte sera celle, en fait, qui, pour les flammes jumelles, donc ce que tu vis actuellement, la deuxième, ce qui bloque, la troisième, ce sera les actions à mettre en place pour lever ce blocage, d'accord? Pour t'aider. Alors, la première la carte, on parle d'indulgence. Il y a une notion, il y a peut-être faire preuve d'indulgence en ce moment, d'accord? Donc là, regarde, on te dit célébration, repos, bilan. Ça tombe bien, on est à la fin de l'année. Là, il est temps, donc c'est la situation actuelle, hein, de la pause. Beaucoup de chemin parcouru seul ou accompagné. Tu peux te féliciter. Tu remarqueras que seul est au féminin, accompagné aussi. Tu peux te féliciter, mais là, tu as besoin de repos, tel un randonneur qui doit s'arrêter pour reprendre des forces. Ce n'est pas une punition au nom, mais bien un cadeau, un temps de pause pour toi. Peut-être peux-tu faire un bilan, observer les modifications de pensée, de gestes que tu as maintenant. À quel point ta vie est malgré tout plus harmonieuse. Et oui, parce que des fois, on ne s'en rend pas compte. Une deuxième carte, je te la mets ici. Hop, on va enlever ça. On va laisser ça. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire cette guidance pour les flammes jumelles. Moi, j'avance aussi dans mon parcours et il y a des moments où, même souvent, j'ai besoin de prendre du recul par rapport à tout ça. C'est pas évident, hein. On avance, nous sommes sous le même toit. Le chemin continue. Voilà. Mais en même temps, c'est tellement beau en fait. Et ben voilà, là j'ai envie de revenir sur une guidance par semaine sur les flammes jumelles par rapport à où j'en suis arrivée moi maintenant. Parce que j'ai besoin que les choses soient en adéquation, en résonance aussi. Enfin, que je sois, non, c'est pas ça. Je sois ou en alignement, mais c'est pas. Que je sois en cohérence en fait entre ce que je vis et ce que je te partage. Voilà. Authenticité peut-être aussi. Alors. Là, on parle de la fuite, ça c'est ce qui bloque, sans blague. La fuite. Alors, il faut savoir que même quand tu es sous le même toit, celui qui fuit peut continuer de fuir. D'accord? La fuite, elle se fait sous différentes formes. Voilà, moi par exemple, résister vraiment à accepter la situation. Et d'ailleurs, quand tu as vécu seul un moment, je peux te dire que de nouveau être à deux, c'est pas évident, surtout quand tu as acquis ton indépendance, ton autonomie, dans tous les plans. Eh bien, au départ, c'est un vrai challenge, hein, tu résistes. Hein, voilà. Donc, voilà, je te donne des petits exemples, pas pour te parler de moi, mais peut-être pour t'illustrer en fait mes propos et peut-être que ça peut te parler. Alors, la fuite, voilà, on a arrêt, émotion, apaisement. Et ici, c'est ce qui bloque. Bon, il y a peut-être à mieux vivre ses émotions, pas évident en ce moment hein, quand même, à essayer de s'apaiser. Donc il y a encore cette notion de s'arrêter, de repos. Alors, je suis en colère, je ne supporte rien, est-ce à moi, est-ce à toi? Et oui, des fois, on se pose vraiment la question. Qu'importe, je ressens que je rejette tout ce qui est là autour de moi. Je ne supporte rien, je te rejette, mais je rejette également ce que je ressens en moi. Je fuis, je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre, je suis sur la défensive, mais pourquoi tout cela? À quoi tout cela sert? Il est bien là le temps de l'accueil. Voilà, je te parlais d'accueil, hein, d'accueillir ce qui est, ici et maintenant. Il est bien là le temps de l'accueil, de l'émotion que je ressens, hein, d'accueillir ce que tu ressens. Et non plus encore la rejeter ou la fuir. En stoppant cette blessure, en l'accueillant à bras ouverts, je l'apaise. Voilà. C'est ce dont je te parlais tout à l'heure.
Donc ça, c'est ce qui bloque et on te donne justement la solution pour lever ce blocage. Et tu as déjà un début. Hein, voilà, ce qui bloque, c'est ça, c'est cette résistance à ce qui est, à ce qui se vit en toi, à l'intérieur de toi, mais aussi à l'extérieur. Et je peux te dire que ça me parle pleinement. Voilà. La troisième carte, c'est l'action à mettre en place pour lever ce blocage. Les actions, l'action, on va voir. Des fois, il n'y en a qu'une, des fois, il y en a plusieurs. Après, c'est toi, tu en auras peut-être plusieurs, tu en auras peut-être qu'une. Ah oui, je te montrerai les dessins aussi, j'ai oublié, je suis allée droite au but. Eh bien, on est très clairement. La clé serait la blessure originelle, abandon, transformation, réconfort. C'est marrant parce qu'on parlait de fuite. Regarde, regarde bien comme elles se répondent les cartes. Là, on parlait de la fuite, le runner. Là, on parle de l'abandon. Alors, la fuite, du coup, le rejet. Hein, tu as beaucoup parlé du rejet, de ce que tu rejetais chez toi et, Alex, et chez l'autre aussi. Et ici, la blessure originelle, c'est l'abandon. Donc là, on est sur le chaser. Voilà. Transformation, réconfort, blessure originelle. Eh bien, il te répond. Le runner, le chaser. Il y a une réponse dans le futur. Dans le futur, pardon. Il y a peut-être à écouter, effectivement, que le runner écoute son chaser. Je rappelle que le chaser peut être un homme aussi. Hein. Je ressens ton rejet. Cela réveille en moi mon abandon, ma trahison. Accepter ce rejet, ne pas en avoir peur, c'est m'ancrer. Un peu plus pour ensuite, un peu plus transcender mon abandon. Je peux fermer les yeux, imaginer mon enfant intérieur qui souffre. Je me concentre sur moi et réconforte cet enfant. Voilà. Et bien là, on a l'action, en fait, effectivement, pour le chaser. Ce qui peut permettre de lever le blocage, d'imaginer son enfant intérieur qui souffre, de se concentrer sur lui et de réconforter cet enfant intérieur, de ressentir le rejet, de ne pas le fuir et de l'accepter, de l'accueillir en fait. Voilà. Et puis là, bah oui, ce qui bloquait, bah, c'est la fuite. Au milieu, c'était ce qui bloque, c'est la fuite du runner qui lui fuit tout, ses émotions. Donc, lui, on va lui demander d'accueillir ce qu'il ressent, de ne pas rejeter, justement, pour pouvoir s'apaiser. Donc, c'est assez fou quand même. Hein. Et là, hop là, je te montre les jolies images. Voilà, oui, ben, c'est ça en fait, hein, les flammes jumelles, on a complètement ça. Voilà, on se veut, mais on se repousse, on se dit, mais c'est pas possible, je ne comprends rien. Tu vois? Regarde bien, c'est une femme qui dit non, non, et lui dit, mais je ne la comprends pas, je ne comprends pas. Tu vois? Et là, regarde, avec le cœur, ils ont tous les deux la main sur le cœur, et ils se donnent la main parce qu'au-dessus de ça, on a ça, là on a les âmes, et là on a les personnages. Et puis là, bah, l'ego, au milieu, il monte, hein, et il vient donner la main aussi à l'âme. Bon, ça, c'est mon interprétation, t'en fais ce que tu veux. Hein. Et voilà, regarde, comme elles sont jolies. Ici, la première, c'était l'indulgence, tu vois, regarde. C'est joli, elle est endormie dans un tapis de fleurs. C'est beau, hein. Ça fait penser au printemps, là. Il y a quelque chose qui arrive pour le printemps. Je te remercie pour ton écoute. N'oublie pas que c'est une guidance générale. Ça, c'est important. Prends que ce qui résonne. Et si tu souhaites justement une guidance personnelle par rapport à ta situation, tu peux écrire à lesacréféminin@gmail.com. Tout attaché sans accent. Tu as le mail dans la description sous la vidéo. Et je te remercie pour ton écoute. Et à très vite!